clairait bien où c'est lui, Miassou. Alléluia. Nous saluons mes bien-aimés dans le nom puissant de Jésus et dans le moment ça, disposez cœur pour nous capables d'entendre voix, Seigneur. Disposez pour nous capables d'entendre voix, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Je vais inviter à l'ouvrir la Bible avec moi. Nous allons aller dans Colossiens chapitre 1er, le verset 19. Et ensuite, nous allons aller dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Il dit, Colossiens 1er 19 dit, c'est bon Dieu même qui voulait pour tous allier. C'est ça pour Christ là et tout. Amen. Amen, amen. Version française l'a dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Éphésiens chapitre 5, le verset 18, il dit en français, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'esprit. Amen. Créole l'a dit, pas sous les têtes nous à divin. Ça t'amène nous dans des boches. Au contraire, plein que nous à Saint-Esprit. Amen. Amen. Papa, nous qui dans le ciel là, nous glorifions, nous magnifions. Ou même qui seul vrai Dieu, nous disons merci Père pour parole. Parole qui c'est une lumière, parole qui c'est une lampe. Papa, nous t'en prie Seigneur, bénis parole ça. Et fait que chaque petit qui là capable de joindre une parole. Parole qui pour édifier. Parole qui pour libérer. Parole qui pour transformer. Et non va glorifier. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci oui. Seigneur. Mes bien-aimés, nous bénissons Seigneur, nous disons bon Dieu merci pour grand jour ça, nous disons bon Dieu merci pour bel thème ça que Liban nous et que nous avons savouré depuis commencement mois à travers toute intervention que le Seigneur permette et que serviteur et servante y ont fait pour nous capables d'arriver édifier à partir de thématique ça. Nous bénissons le Seigneur pour ça, nous disons bon Dieu merci. Et nous avons avancé très sérieusement dans le thème. Et tant qu'on avance dans le thème, c'est tant qu'on a une impression, mais bien aimé, thème dans le goût. La paix, bon Dieu, avec vous. Tant qu'on avance dans le thème, vous avez une impression, thème dans le goût, tellement gagné pour dire sous thématique ça, qui c'est la plénitude. Et je dis, nous voulons garder avec vous plénitude Saint-Esprit. Plénitude Saint-Esprit. Plénitude Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18, là, d'où là, plein que nous, à qui ça? Plein que nous, à Saint-Esprit. T'as fait bon Dieu avec vous. Amen, amen. Plein que nous, à Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Non. Alléluia. Mais il y a personne, mes bien-aimés, dans la Trinité, que l'Église vraiment a des problèmes avec elle. Mais il y a personne dans la Trinité que n'a vraiment pas saisi le travail vraiment bien. En pile, on a parlé de Saint-Esprit, en pile, on a parlé, en pile, on a un paquet de bagages, mais bien aimé, sous Saint-Esprit, mais en pile, on n'a pas arrivé à saisir l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie croyant. Le Dieu véritable, mes bien aimé, qui créait tout ça qui existait, il créait tout bagage, l'univers, la terre, la vie végétale, la vie animale et finalement l'homme. Bon Dieu ça, qui Père, qui Fils et qui Saint-Esprit, qui manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui l'a
de toute éternité, li pa gen commencement, li pa gen fin. Donc ça veut dire trois personnes ça yo. Yo gen même essence divine. Et cet esprit vini en troisième. Ça veut dire qu'il est troisième personne dans la Trinité. Mais, comprenez bien, mes bien-aimés, la Bible déclarait que tout enfant de Dieu, les gagnants, ils ont gagné Saint-Esprit qui était dans eux-mêmes. Et que croyez pas pour eux. Croyez c'est top Saint-Esprit. Nous bien dit, là, tout enfant de Dieu. Et ça, c'est le bras d'où, dans Romains chapitre 8, le verset 9, il va dire, mais quiconque n'a pas l'esprit de Christ, n'appartient pas à Christ. Alléluia. Amen. Mais quiconque qui n'a pas l'esprit de Christ, n'appartient pas à Christ. Donc, si cet esprit, mes bien-aimés, retient en moi en tant que petit bon Dieu, pour qu'il s'agit dit, moi tiède. Alléluia. Pour qui ça je dis, hein? Pour qui ça je dis, hein? Moi sous ça, de même pas sous ça. Pour qui ça je dis, hein? Moi incrédule. Pour qui ça je dis, hein? M'a fonctionné sous lui-même. Je dis, moi dans service, de même pas dans service. Pour qui ça m'a marché à droite à gauche. Pour qui ça je dis, hein? Sous la prière, de même pas sous la prière. Si peu saint. Nos pensées, nous, nos paroles, nous et nos actions, nous. Nous frettes. Nous, pas zélés. Nous, pas efficaces dans le travail là pour mon Dieu. Pour qui ça? C'est une question pour nous poser. Parce que la Bible déclare que tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit demeurant en lui. Alléluia. Pour qui ça, mes bien-aimés, me gagner du mal? Pour qui ça moi j'ai du mal pour me faire volonté mon Dieu. Pour qui ça moi rebelle comme ça pour m'accorder à parole mon Dieu. Pour qui ça moi rebelle comme ça pour me faire volonté mon Dieu. La paix mon Dieu avec vous. Mais son question peut-être qui a trotté dans tête au chaque jour. Pour qui ça ou comme ça, pour qui ça au frère, pour qui ça au sous ça jodi a démon pas sous ça. Pour qui ça n'a mené une vie de pauvreté comme ça? Pour qui ça la vie nous pauvre comme ça? Pour qui ça nous pas sanctifié? Parce que n'a fait affaire pas nous, n'a fait affaire pas nous, nous voulons servir mon Dieu, j'en voulais. Pour qui ça nous pas capable bailler résultat? Pour qui ça nous pas capable porter fruit, bon fruit que mon Dieu attend de nous? Un fruit qui était fruit durable. Les fruits dignes de la repentance. Raison, mes bien-aimés, qui fait que nous pas capable d'arriver à faire production ça, hein? Les simples, c'est parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. C'est parce que nous pas remplis du Saint-Esprit. C'est parce que nous pas pleins avec Saint-Esprit. Yes, amen. Qui ça, l'en garde, mes bien-aimés, terminologie biblique là, qui ça le fait nous comprendre? Et ça fait question qu'à poser, si n'a pas parlé de plénitude Saint-Esprit, si n'a pas parlé de pléquer nous avec Saint-Esprit, ou capable de demander, premier bagage ou pral demander, c'est en qui ça? Il consistait. Qui ça me joigne là-dedans? Qui ça plénitude là? Qui ça, l'en a parlé de plénitude Saint-Esprit, puisque nous, dans la thématique ça, et nous, ouais, en pile là-dedans déjà, qui ça le charrié, qui ça le gagne la donne? Plénitude Saint-Esprit. Le apôtre la parle là, il dit, plein que nous avec Saint-Esprit. Nouveau Testament, mes bien-aimés, il utilisait deux expressions pour y parler de plénitude Saint-Esprit. La première expression que l'utilisait rempli du Saint-Esprit. Que ou joigne grec là qui dit ou puis me plaimer. Donc, c'est un terme qui exprimait une plénitude subite. Ouais, une plénitude subite, butsoukou, puissante, impétueuse, pour un besoin précis, ou besoin, un besoin précis, ou rempli avec cet esprit pour exécuter une tâche précise, pour exécuter, pour répondre à un besoin précis, dans un moment précis. C'est rempli du cet esprit, c'est plus plémien. Ou pral une deuxième expression, deuxième terme que yo pral utiliser,
Eh bien, c'est plein. Plein de Saint-Esprit. Quand tu as jeûné dans tiré de ouvert plaireau, qui sorti dans adjectif, adjectif là, c'est plairesse. Comme ça, yo, mes bien-aimés, yo exprimé yo plénitude calme. Ça fait l'ordre dit rempli du Saint-Esprit, plein de Saint-Esprit, les gagnants, yo nuance la donne. Gon plénitude subite et gon plénitude calme. Continuelle. En plénitude continuelle, yo qui tranquille, qui vient bon yon état habituel de plénitude, ou toujours en balle, ou toujours gagnant. Qui vient bon yon état habituel de plénitude, de vie abondante, mes bien-aimés. C'est ça, les namou, tant qu'il y a un jardin qui est bien arrosé. Nous tous qui là, nous connaissons ça, ça veut dire, logo un jardin, ou un jardin, ou arrosé jardin, ou un fleur, yon bel l'on fait arrosé jardin. Les jardins arrosés, jardin bel. Donc, le rempli, plein de cet esprit, état habituel plénitude ça, les vins bon, de vie abondante ça, ou vin, tant qu'il y a un jardin qui est bien arrosé. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, deux expressions ça, deux thèmes ça, extrêmement important pour clair sur yo, pour comprendre yo, pour pas prendre plénitude là, pour ça comme ça. Et c'est ça que fait grand pile monde qui pas comprendre cet esprit là, qui fait que ouais l'église aujourd'hui a, il y a toute vagabondage ça la donne, il y a toute dérive ça la donne, parce que le cet esprit il a pas maîtrisé œuvre personne ça. Qui sa plénitude, l'aime atteindre plénitude l'esprit, hein? L'aime river, l'aime gagner, mes bien-aimés, qui sa le poté pour moi, qui sa le ban moi, qui sa le pral jouen, qui sa le pral wè kay moun ça. Parce que premier bagay, plénitude de l'esprit, la plénitude de cet esprit, mes bien-aimés, son liberté d'action pour cet esprit. Est-ce que bon Dieu avec moi là? Amen, amen. Son liberté d'action pour cet esprit. Parce que tout péché qu'on est, ça ne fait pas qu'à comprendre moi-même, il y a un péchador qui remplit. Pas qu'à comprendre un péchador qui dit me remplit. Il y a un péchador qui dit me sous emprise de Saint-Esprit pendant que vous êtes péchador. Pendant que vous nagez dans le péché pour vous remplir. Parce que tout péché, mes bien-aimés, tout péché depuis son péchador qu'on est, Saint-Esprit pas qu'à fonctionner avec vous. Tout péché attriste le Saint-Esprit. Et les vins cessent, les suspendent, agit. Non, ou mettons frein dans l'action. Parce que nous, la plénitude de l'Esprit est une liberté d'action pour le Saint-Esprit. Donc, tout péché, depuis que nous avons vu péchador mené, nous ne pouvons pas comprendre tout péchador rempli. Tout péchador parler, tout péchador bon message, tout péchador vous monter. Ou rempli de l'esprit, lorsque ou gon liberté d'action, lorsque ou libre pour agir, hein, parce que le rempli de l'esprit, l'el sa al bien aimé, li libre pour agir dans ou même. Cet esprit rempli nous, s'il occupe nam nous, li occupe l'esprit nous, li occupe pensée nous, li occupe sentiment nous, li occupe désir nous, la paix bon Dieu avec vous. Amen. Li rempli ou c'est lorsque le café salvé avec vous. Mm-hmm. Alléluia. C'est lorsque le café salvé avec vous. Si le café salvé avec vous, le levé avec vous, et bien c'est le sac rempli. Cet esprit agit, mes bien-aimés, alors que li agit un coup, il est capable de nous torrent de vie dans le désert. Nous torrent. Sous rivoli, toute bagaille, mes bien-aimés, refleurit. Toute bagaille reverdit. C'est ça, Yorelo, c'est la vie en abondance. Salmiste parle de couple qui a débordé. C'est ça. Le rempli du Saint-Esprit, couple a débordé. Ce fleuve d'eau vive qui a jailli, qui a coulé dans vous-même. Et ça faut ou pas capable parler n'importe qui gens, ou pas capable agir n'importe qui gens, ou pas capable comporter n'importe qui gens. Parce que son fleuve d'eau vive qui a jailli dans vous-même. Ou son monde tout neuf. Ou son monde tout neuf. Leur fait accepter Christ. Yes. Ou rempli.
du Saint-Esprit plus tard, à cause du péché, ou praloué, mes bien-aimés. L'Église Nouveau Testament, il semblait rarement vivre liberté, liberté ça, liberté de l'esprit. Vous pouvez regarder, si on prend exemple l'église de Corinthe, les Corinthiens, Corinthiens qui s'est passé, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 12, 13. Ils ont exercé tout don Saint-Esprit, mais qui s'est crivé. Pendant qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont exercé tout don, mais ils ont toujours charnel, selon 1 Corinthiens 3, le verset 1er. Petite, ils ont petit, mon Dieu, en Christ. Ils étaient toujours bébé spirituel. Ils n'ont pas arrivé à manger nourriture solide là. Parce que tu as gagné dans mes temps, jalousie. Tu as gagné dans mes temps, chirépite. Côté ambiance, ça a régné, mes bien-aimés, pas venir parler de Saint-Esprit. La Bible dit clairement là. Laisse-le te recevoir, il te gagne, mais il te chanel. Parce que la jalousie t'a régné dans mi temps, discussion t'a mené dans mi temps, orgueil t'a valetéré dans mi temps, désordre dans service là, t'es gagné désordre même au niveau Sainte-Seine, dans la communion, désordre à fête, t'es gagné dans mi temps, impudicité, et t'es gagné inceste dans mi temps. Mais yo, l'église de Corinthe, Galate, ils ont été baptisés en Jésus, selon Galates 3, 27. Mais qui s'est passé? Ils ont été détournés de Jésus. Ils ont été recevoir un faux évangile. Galates 1, les versets 6 et 7. Et ils ont été comportés en insensé. Galates 3, 3. Et ils ont été tentés, finis, qui vient? Par la chair. Et ça, pour te la dire, nous, dans Galates 3, verset 3. Et ça, que Paul, mes bien-aimés, quand ils ont peur, pour travailler là, ça t'a fait dans l'église Galate là, eh bien, l'était peur pour travailler ça pas inutile, et pas ton travail en vain, dans Galate 4, verset 11. N'a pas avancé avant. N'a pas un exemple Éphésiens, l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était scellée avec Saint-Esprit. Éphésiens 1er, le verset 13. Mais, il n'y a pas rempli du Saint-Esprit, la paix bon Dieu avait. Éphésiens 3, verset 19. Éphésiens 5, le verset 18. Exode référence non là. Et ça que Paul a demandé, mes bien-aimés, pour les Éphésiens, toute richesse héritage là. Ouais, comment mon Dieu range bagaille pour nous? Nous sautons dans moi héritage et l'hypothèse pour nous la plénitude. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Paul m'a demandé pour Éphésiens, mes bien-aimés, toute richesse héritage là. Dans la 3, les versets 17 à 21. Éphésiens 3, verset 17 à 21. Il demandait pour Éphésiens toute richesse héritage là. Il demandait pour eux de nouvelles forces tout neuf, forces spirituelles tout neuf. Il demandait expérience l'amour bon Dieu pour eux. Pour eux expérimenter l'amour bon Dieu. Hein? Ensuite, il demandait pour eux une profonde communion avec lui. La paix bon Dieu avec eux. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, qui objectif cet esprit dans la vie, ou objectif c'est pour glorifier Seigneur, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, depuis couronnement jusqu'à ce que Christ retourne. Et ça fait l'impensable, alléluia, que ou capable lasser à présent cet esprit. Et ça fait pas qu'à comprendre, je dis ou sous ça, de mon pas sous ça, pendant que ou c'est ou bien cet esprit dans où? Conviction, pas mes bien-aimés, est que c'est que puissance bon Dieu a manifesté dans l'église primitive là. Regardez qui j'ai l'église primitive là t'a fonctionné et je dis à ça que fait nous pas comme ça. Ça que fait moi-même avoir l'église, je dis à pas comme ça. Nous présente ça qui te manifeste, puissance bon Dieu, ça qui te manifeste dans l'église primitive là, l'idée visible, je dis à. L'idée visible, même genre, dans l'église aujourd'hui, mes bien-aimés. Parce que dans l'intention Seigneur, le christianisme, mes bien-aimés, est normal. Il pas doit commencer par l'esprit pour finir par la chair. Est-ce que bon Dieu avait là? Amen, amen.
Ou pas qu'à commencer par l'esprit et puis ouvrir pour finir par la chair. Non. Ou commencer par l'esprit et puis ouvrir finir par la chair. C'est ça que je dis, hein. Deuxième, ça pour connaître tout chrétien capable rempli de l'esprit. C'est un l'ordre que lui, mes bien-aimés. Plein que nous à l'esprit. Plein que nous à Saint-Esprit. C'est un l'ordre lié, c'est pas une option. C'est pas simulé. Son commandement général que lui est pour rempli de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduirait à une vie de débauche, à une vie de désordre. Mais soyez remplis de l'esprit. Mais l'ordre là, soyez. Et pas si vous voulez. Et pas mais si tu veux. Mais c'est soyez, c'est un ordre. Donc c'est un commandement pour me remplir avec l'esprit. Et il est valable, mes bien-aimés, jusqu'à ce que Christ tourne. Ouvrez le groupe avril. Et nous devons obéir à l'autre ça. Et nous devons chercher pour nous arriver à plénitude ça. La paix, bon Dieu avec vous. Amen. Amen. Tout le monde, mes bien-aimés, qui pas saoulé avec cet esprit, qui pas plein cœur avec cet esprit, Jean la parole de Dieu dit là, hein, il dit clairement, mes bien-aimés, plein que nous avec cet esprit. Tout le monde qui pas plein cœur avec cet esprit, eh bien, qui s'est passé, yo, non. Il n'y a pas de volonté, bon Dieu. Parce que volonté, bon Dieu, c'est que tout chrétien rempli du Saint-Esprit. C'est que tout chrétien atteigne plénitude là. Parce que la plénitude, mes bien-aimés, c'est un don qu'on est capable de demander à bon Dieu. Je veux dire que tout le monde rempli avec cet esprit, non. Le, même le temps de tout, on a parlé de l'église aujourd'hui, tout le monde rempli à rouler la terre. Par contre, qui Saint-Esprit a brûlé? Par contre, qui Saint-Esprit a fait rouler la terre? Tout le monde rempli à jaillir, à danser, à pomper. À pomper, à faire tout une mesure remplie, tout le monde a fait intéressant, tout une mesure montrée. Tout une mesure montrée qu'il est rempli. C'est pas ça l'éternel mandé. C'est pas ça la plénitude. C'est pas un bluff lié, c'est pas fait chelbe. C'est pas fait chelbe, c'est une réalité. Ça que Paul t'a prié pour que Éphésiens connaissent l'amour Christ, mes bien-aimés, afin d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, le verset 19. En allez. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Tandis qui ça, apôtre Paul m'a dit. Il dit oui, moi m'a dit pour nous arriver à connaître qualité remet Christ a dit pour nous, à toute personne, tendez bien, oui, à toute personne, pape Jean qui arrive à connaître net, comme ça, n'avait une pleine net. À tout ça qui n'a bon Dieu. Vous entendez? Mais ça le demande pour vous. Il y a une planète à tout ça qui n'a bon Dieu. La paix bon Dieu avec vous. Remarquez, mes bien-aimés, que l'Ipajan me dit que nous devons chercher le baptême du Saint-Esprit. Contrairement à ça, un pile monde pense. Il y a un pile monde qui dit, il y a un pile monde qui pense, il y a un pile de domination qui croit dans lui. L'Ipajan me dit pour nous chercher le baptême du Saint-Esprit. Ce baptême plonge nous, mes bien-aimés, oui, li baptise nous, li plonge nous en Christ, li place nous en Christ, li unit nous à Jésus-Christ, li fait de nous membres de Christ là. Et c'est li rive, mes bien-aimés, à la nouvelle naissance. On prend des exemples. Jésus exerce le ministère terrestre en tant que 100% homme. C'est peut-être ça. Il est capable d'inviter nous à faire même gens avec elle, à faire ça que lui-même lui fait. En tant qu'homme, il a besoin rempli du Saint-Esprit. Est-ce que l'Église avait même là? Amen, amen. Dans Luc chapitre 4, verset 1er, la Bible va apprendre où Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit parce que c'est 100% homme. Non? C'est 100% homme, il a besoin rempli du Saint-Esprit pour le faire travail là. Est-ce que vous avez même? Il dit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et Luc 4, verset 14-12, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus n'a jamais été baptisé du Saint-Esprit. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen, amen.
Mais il te recevoir l'onction, mes bien-aimés. Il fut loin de l'esprit, grande différence. Luc 4, 18, à 4, verset 27, à 10, verset 38. Il va être baptisé du Saint-Esprit. Il était loin. Il fut loin de l'esprit. Alléluia. En quoi Jean-Baptiste? Jean-Baptiste fut rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Depuis dans votre maman, il est rempli. Luc 1er, verset 15 dit, il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Alléluia. Amen. Ce que bon Dieu avait là. Amen, amen. Ah, mes bien-aimés. Ou même qui est enceinte Jodia, soit poteau Timoun, toute femme enceinte Jodia, ou toute femme qui sous route pour ta vie poteau Timoun, alléluia. Fais prier ça. Pour que bébé dans votre toi, il est capable de remplir du Saint-Esprit depuis dans votre toi, alléluia. Depuis avant sorti dans votre toi, demandez bon Dieu pour remplir du Saint-Esprit. Pour le don Jean-Baptiste, qui est un petit garçon. Pour remplir depuis dans votre tout. Alléluia. Apôtre, vous pral expérimenter. Acte des apôtres, chapitre 4, verset 8, il pral dou. Alors, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, ainsi de suite. Acte 11, verset 24, Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Saul de Tarse fut rempli du Saint-Esprit 3 jours, mes bien-aimés, après conversion. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 17, la parole de Dieu, Ananias partit donc et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Paul pral confronté à Elimas, magicien, il pral rempli de l'esprit. C'est ça pour un besoin précis, nous t'a parlé. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 9. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en lui regardant droit dans les yeux. Merci Seigneur. Diakio, mes bien-aimés, yo rempli du Saint-Esprit. Apôtre te exige que Diakio, mes bien-aimés, rempli du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 6, le verset 3, il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Ce que bon Dieu avait là. 120 qui t'a prié dans la chambre haute là avant pour une côte là, ils étaient remplis. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 4. Il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et tout croyant, mes bien-aimés, je dis à la, doit gagner, ou doit arriver dans la plénitude ça, ou doit remplir avec Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, chrétiens d'Antiochio, les chrétiens d'Antiochio de Pisidie, après quelques semaines de conversion, mes bien-aimés, à des apôtres, chapitre 13, les versets 14 et 52, les doux de Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Alléluia. Mais bien aimé, l'Esprit Saint rempli ou, il sanctifié ou. Ça fait au monde pas capable rempli avec Saint-Esprit et puis pour la fête tintin. Pour le rouler de bord. Pour le jongler. Pour la faire piquer-coller. Parce que l'Esprit Saint l'a rempli avec l'il sanctifié ou. Parce que la plénitude produit le fruit de l'Esprit. C'est la plénitude qui produit le fruit de l'Esprit. Ou pas capable. Pour du fruit grand ça, nous faut atteindre la plénitude. Ça qu'elle dit, ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduira à une vie de désordre, de débouche, mais soyez remplis. Donc, il reste ça capable de liberté intérieure. Elle est capable de susciter la cause des réactions. Oui, quand à côté, l'homme est souvent, elle donne toujours d'ailleurs. Tiens, l'homme a effet alcool. Qu'on est content, est-ce qu'on est content? Ou a grien d'eau. Mais son grien d'eau qui anda, mais qui parle elle. Il rappelle effectivement action l'esprit, ah oui. Non, libération ça, inhibition ou bien blocage. Désolé.
Joie avec allégresse, n'a pas les là, c'est l'Esprit Saint qui vous baroule. Que content réel là, allégresse, c'est que et Saint-Esprit qui vous baroule. Et ça fait, Nouveau Testament, mes bien-aimés, il associe sanctification à plénitude du Saint-Esprit. Jacques du Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la beauté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ou pas sanctifié, pas les remplis. Ou pécheur, donc, on ne parle pas les remplis. Bon Dieu, comme les violer paroles, lui. Romains 6, verset 22, lit, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit, alléluia, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La paix, mon Dieu, avec vous. Amen, amen. Plénitude de l'esprit, mes bien-aimés, c'est pour me gagner moi-même, sous la vie, hein? Sous la victoire, que content la paix, patience, bonté, la foi, douceur, maîtrise de soi. C'est-à-dire que l'esprit après le fait vibrer, il va faire vivre réellement les bénédictions spirituelles qui, dans le lieu célestial, que nous joignons en Christ. Donc, sanctification, mes bien-aimés, lit entièrement travail Saint-Esprit dans vous-même. Ce n'est pas vous qui pral faire, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans vous. C'est vous-même, c'est lui qui pral, c'est lui-même qui pral craser puissance péché dans vous. Et c'est lui-même qui parle bonne liberté. Ya. Et ça, qu'aime pas qu'à comprendre comment ça a crasé. Comment pas craser là, quand vous parlez de rempli. Vous parlez de toute qualité de bagaille rempli matin, midi, soir. Donc, plénitude là, la là-dedans, il soumet la chair. Ou pas qu'à marcher, ou pas qu'à ancrer tes chanelles. Romains chapitre 8, verset 2, il dit la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc la vie aux chrétiens mes bien-aimés, pour nous finir, lui dépend totalement et en permanence du secours de l'Esprit Saint. Sans lui-même, nous pas qu'à faire rien. Sans lui-même, c'est intéressant à bien faire, c'est show off à bien faire, c'est shelbo à bien faire. C'est seul par la puissance de cet esprit, tout est possible. C'est seul peuple bon Dieu avec moi là. C'est seul lui-même, mes bien-aimés, qui est capable de faire. Alléluia, fais volonté, mon Dieu. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. M'a prêté là avec aujourd'hui. Là. Donc, nous allons continuer demain avec vous. Sous plénitude Saint-Esprit. Là. Que le Seigneur bénisse abondamment. Et que aujourd'hui, là, vous capable plein cœur avec Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen.